Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui. Les Lunishmat, Rivka Batsara, Rachel, Rachel Batsara, Peggy Batester, Liz, Aliza Batfrecha, Zara Batmazaltov, Shishportish. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perigimel, Mishnah Aleph. Dide Mamonot Bishlosha, Zeborer lo Echad, Vezeborer lo Echad, Ushneem Borerin Laen, Od Echad, Divre Rabbi Meir, Vachachamim Omrim, Shnei Adayanin Borerin Laen, Od Echad. Ça, c'est la première partie de la Mishnah qu'on a déjà expliquée dans la Mishnah précédente. J'introduis juste ce qui nous concerne pour la suite, mais je ne la reprends pas entièrement, sinon on va passer trop de temps, on a une lourde Mishnah devant nous. C'est déjà la sixième, huitième fois, je ne sais plus où j'en suis, où je recommence ce cours, je l'ai déjà entièrement fini, mais je le reprends parce qu'il est tellement long, je vais absolument le condenser en, j'espère, en 23 minutes, 25 minutes. Pour le moment, j'en étais à 40 minutes. Donc, ce qui nous concerne pour le moment, c'est juste, je retiens 2-3 points importants, c'est que, pour le dîner mamonote, on l'apprenait dans la première partie, dans la première Mishnah déjà. Pour le dîner mamonote, on distingue toujours deux sortes de juges. Il y a les juges experts et smuchin, attestés par leur maître, et le maître par leur maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on appelait les smuchin. Ça, c'est pour juger les halachot compliquées des dîners nefashot, des lois de condamnation à mort, les différents d'argent, mais qui impliquent des knassot, des amendes. Tandis que les dîners mamonote communs, les différents d'argent simples, entre des problèmes de dette, des problèmes de vente et achat, des problèmes de voisinage, on pourra les juger avec uniquement des juges experts, et même moins que ça, comme ce que la Mishnah va nous proposer. Maintenant, pour désigner les trois juges, la Mishnah nous expliquait dans cette première partie que chacun des deux parties désigne un juge, et ensuite, pour désigner le troisième juge, alors on retient la vitra chamim, que les deux juges ensemble, que chacun désigné, vont désigner le troisième juge. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir un jugement, un verdict, que chacun des deux parties va accepter, étant donné qu'il va dire, bon, moi j'ai nommé un juge que j'estimais parfait, kasher, honnête, et qu'à la limite, même c'est sûr qu'il allait me donner raison, et je vois que même lui, il a dit que j'avais tort, donc j'accepte le verdict, c'est pour afin d'accepter plus facilement le verdict. D'accord ? Maintenant, on a fini avec la première partie de la Mishnah. Reprenez-la si vous voulez dans la Mishnah précédente et on attaque la suite. Zeposel dayano shel ze ve zeposel dayano shel ze divrei Rabbi Meir ve chachamim omrim et matay bizman shemivi alein ra'aya shen krovin o psulin. Aval im hayu ksherin o mumchin, eno yachol leposlan. Alors, la Mishnah en soi-même, elle n'est pas compliquée. Et on va tout de suite présenter la Mishnah et l'expliquer. Ensuite, on expliquera la suite et après, on va mettre le zoom sur ce très long Barthénora que vous avez devant vos yeux qui est parti parler d'un sujet complètement presque hors sujet par rapport à notre Mishnah, j'expliquerai pourquoi ensuite. Tout d'abord, littéralement, la Mishnah nous enseigne, Zé possède Dayano Shelze, puisque le début de la Mishnah nous enseigne que moi je désigne mon juge, vous désignez votre juge, et bien la Mishnah maintenant nous dit, sache que Zé possède Dayano Shelze, celui-ci invalide le juge de l'autre, Zé possède Dayano Shelze, et l'autre peut invalider le juge du premier. Soit, puisque je désigne mon juge, vous êtes en droit de dire « Ah non, il ne me plaît pas ce rabbin là, il est trop, il comprend rien à la vie. » Tel que c'est écrit. On va tout de suite apprendre que ce n'est pas du tout le cas. Mais tel que c'est écrit, c'est ce que ça signifie. « Zé pour celui-ci invalide, dit que ça ne me convient pas de me faire juger par lui. Je choisis moi un autre juge. Un rabbin beau gosse. » D'accord ? Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Et Chachamim nous disent non. Chachamim, même non. Et Matai, dans quel cas tu as le droit de refuser de te faire juger uniquement Bisman, Chemevi, Alen, Reaya, Chen, Krovin, Obsulin. Uniquement si tu apportes une preuve qu'il s'agit de juges inaptes, parce qu'ils sont Krovin, ce sont des proches parents d'un des deux parties, Obsulin, ou des gens, tout simplement, inaptes à juger. Tout ça, comme on l'apprendra à la fin du Perek de notre chapitre, on apprendra longuement les psoulé et doute et psoulé d'ayanim, les différents juges inaptes à juger parce qu'ils sont proches parents, parce qu'ils sont tout simplement, ils transgressent des avérotes, certaines avérotes où il y a des... Comment on apprendra? D'accord, ça peut être par exemple des gens qui prêtent leur argent avec ribit. S'ils sont capables de transgresser la Torah pour de l'argent, on ne peut plus se fonder sur eux pour juger ou pour témoigner étant donné que... Ils ne sont jamais à l'abri de recevoir une petite enveloppe pour transgresser par-ci par-là et donner un témoignage ou un jugement erroné. Aval, en tout cas, donc Chachamim nous disent, tu n'es en droit, je reviens sur la Mishnah, tu n'es en droit de refuser de te faire juger par un juge uniquement si tu prouves que c'est un juge inapte. Par contre, Avalim ayu ksherim, par contre, il s'agit de juges ksherim, aptes, des bons juifs, au mumchin, ou même expert dans le dîner mamonot, il ne peut pas les invalider. La troisième partie de la Mishnah, on en parlera dans quelques secondes,
Et d'abord, on met le zoom de quoi on parle. La troisième partie de la Mishnah, ça va être le même principe, la même machloket Rabbi Meir et Chachamim, en parlant cette fois-ci de juges, comme on le verra. Pour le moment, donc, je répète pour le moment. D'après Rabbi Meir, vous êtes en droit de refuser de vous faire juger par mon juge. D'après même sans apporter de preuves, d'après Chachamim, il faut nécessairement prouver que le juge que j'ai désigné était foncièrement invalide. Il n'est pas cachère. Il a un problème, soit parce que c'est un proche parent, soit parce que c'est un faux témoin. Donc, soit parce que c'est quelqu'un qui transgresse des avérotes. Maintenant, on a quelque chose de très étonnant. D'après Rabbi Meir, il s'avère que vous êtes en droit de dire « Ah non, je ne veux pas me faire juger par lui. » Et je vais désigner un autre juge, je vais me dire « Ah non, je ne veux pas me faire juger par lui. » Et on ne va jamais s'en sortir, c'est quoi cette histoire? Premièrement. Et deuxièmement, depuis quand on peut refuser de se faire juger par un juge cachère? Et en réalité, la Gemara explique qu'il y a trois sortes de personnes. Et il y a, on va prendre les deux extrémités et le cas du milieu. Les deux extrémités, c'est les Yoshvei Kranot, ceux qui s'assoient dans les coins. Littéralement, c'est les gens qui sont des mauvaises personnes. Ils sont assis à la synagogue tout au fond, ils font que de parler pendant toute la tuile là. Je ne sais pas si c'est ça, forcément les Yoshvei Kranot. C'est ceux qui, en tout cas, qui aiment bien toujours semer la zizanie, se moquer de tout le monde, parler sur tout le monde. Ça, c'est les Yoshvei Kranot, des gens, des ignorants parfaits. D'accord? Ils traînent dans les bistrots. Alors, ces gens-là, ils sont... J'ai oublié d'introduire un petit détail important. Tout d'abord, pour désigner les juges, chacun est en droit de désigner le juge qu'il veut en théorie. D'accord? On n'est pas obligé d'avoir des juges experts. Ni des smuchim, ni même des experts, comme on va expliquer c'est quoi un expert. On peut désigner même des niveaux différents. Maintenant, si je décide d'amener quelqu'un qui est un vrai ignorant, donc c'est Yoshvei Kranot, un vrai ignorant, vous êtes en droit, d'après tous les avis, de le refuser. De dire non, je ne me fais pas juger par une telle personne, c'est quoi ça correspond pas. Maintenant, l'autre extrême, c'est ce qu'on appelle un mumché, un expert. Il n'a pas forcément été attesté par son rave, mais on parle de quelqu'un qui connaît toute la Torah écrite et la Torah orale, c'est-à-dire il a étudié. Et en plus de ça, il sait étudier une Gemara et déduire des choses avec un sechel yachar de manière droite et logique. Il est brillant en études. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas en droit de le refuser. Si je le désigne, je désigne un rave chashuv, qui est connu, plus ou moins. On verra tout ça à la fin du Bartanora, ça va porter le long Bartanora, à la fin, il expliquera c'est quoi ce Mumché. C'est quoi exactement Mumché l'Arabim. Donc c'est quelqu'un d'expert. Là, vous n'avez pas le droit de le refuser. Alors, où se trouve la discussion? La discussion de Rabbi Meir et Chachamim, elle ne parle uniquement d'un cas de personne particulière. Le commun des bons juifs qui ont des principes, ont un feeling en Rochen Mishpat. Ils ont beaucoup traîné dans les Baté Dinim à écouter comment les Rabbanim tranchent la Linchot. Ils ont beaucoup eu à faire. Et du coup, ils sont devenus des références au point où eux-mêmes, les gens les appellent pour juger et trancher des différents, proposer des compromis. Donc ça peut être des bons juifs de la synagogue qui ont traîné dans les Baté Dinim, qui aiment bien s'instruire dans les tribunaux, dans les verdicts prononcés. Et comme ça, ils ont adopté un bon feeling, sans être des Talmidei Chachamim qui connaissent bien la Torah. Mais malgré tout, ils ont un bon feeling. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara des Arkaot Shebesuria. Arkaot, c'est les tribunaux, mais pas les Baté Dinim, les Bet Mishpat plutôt, Shebesuria, qui se trouvent en Souria, qui étaient composés de gens pareils. Rabbi Meir les considère comme des, sur ce point-là précisément, par rapport au droit de l'autre de le refuser, c'est pas mieux qu'un Yoshev, qu'un ignorant. Je me suis en droit de le refuser, tandis qu'il n'est pas Talmid Chacham, je peux dire non, ça me convient pas, je préfère me faire juger par quelqu'un qui connaît Behemet, le Rochet de Mishpat dans tous les détails, il connaît le Char, il connaît le Sma, il connaît les Poskim, Chashuvim, je vais pas me faire juger par quelqu'un qui a juste un bon feeling, qui est juste honnête, il a pas l'honnêteté, la droiture de la Torah. Et Chachamim nous disent non, étant donné qu'il est Mumché l'Rabbim, il est connu, réputé pour être un Mumché l'Rabbim, un expert, pas un expert, pour être, excusez-moi, étant donné que les gens le consultent comme si qu'il était un expert, même s'il n'est concrètement pas expert, alors tu es obligé de te plier, d'accepter le juge que je désigne, sauf si tu prouves qu'il a un problème, qu'il transgresse une avéra. D'accord? Et si déjà, je vous propose de faire le Bartanora, mais pas le long Bartanora, pas la grosse partie du Bartanora, mais uniquement ce qui nous concerne. Et une fois qu'on aura fini les chiyours, alors on continuera comme ça, de manière à ce que, si vous êtes intéressé, si vous n'avez pas le temps d'écouter un cours de 30 minutes, ou je ne sais pas combien de temps ça nous prendra, au moins que vous pourrez couper le film en ayant eu l'essentiel de la Mishnah, malgré tout. On fait maintenant donc le Bartanora. Adayani Boreum Laem Echad.
Non, je c'est pas ça, c'est la de l'autre partie. Ça, c'était la partie qu'on a appris dans la Mishnah précédente. C'est pour celle d'Ayan Shalze. Celui-ci refuse de se faire juger par le juge de l'autre. Yachol hulomarlo adon lifne bedin sheverarta. L'un des deux parties peut refuser de dire à l'autre, je refuse de me faire juger par le tribunal que tu as désigné. Alors les chachamim viennent et disent non. Et mata, et dans quel cas uniquement si tu amènes bizman shemevi alen re'aya. Chez emevi re'aya al dayan shebirerze le poslo. Que je rapporte une preuve, que celui-ci apporte une preuve contre le juge que l'autre a désigné, en le rendant inapte. Avalimem kshérim ou mumchim. Alors là, si vous faites attention, on a un problème dans la lecture de la Mishnah. Je vous introduis le problème, et après on va comprendre comment le Bartano va le résoudre. C'est que la Mishnah nous dit, par contre, si c'est un juge kasher ou expert, tu ne peux pas refuser. On déduit de là que Rabbi Meir pense qu'on peut même refuser un bedin expert. Problème, ça contredit ce que je vous ai dit. La Gemara pose la question et répond comme le Bartano va nous dire. Comme ça, il faut lire la Mishnah. Quand il y a écrit Aval imayim ksherim ou mumchin, comme ça, il faut lire Aval imayu ksherim she'enan lo krovin velo psulin, qui ne sont ni, si c'est des juges kasher, qui sont ni des proches parents, ni des juges psulin, afal pishem yoshvekranot, nasuk et mumchin, même s'ils sont, alors il y a un problème dans le Bartano ici, c'est des ignorants, j'expliquerai le problème ensuite. En tout cas, même si c'est des gens qui ne sont pas experts, nasuk et mumchin, ils sont devenus comme des gens mumchin. J'ai un problème avec le Bartanora, que le Bartanora a apporté des Yoshvei Kranot, des ignorants. Or, la Gemara dit explicitement, comme c'est rapporté dans le Tosafot ici, on ne parle pas des ignorants de la classe du troisième niveau inférieur, mais uniquement du deuxième. J'ai une question sur le Bartanora, j'ai pas vu qu'on soulevait la question. Si vous avez un éclaircissement à apporter, ben laissez un message sur YouTube, ça fait pas de mal. D'accord ? On s'arrête là pour le Bartanora, et le long Bartanora, on le fera après. D'accord ? On passe maintenant à la troisième partie de la Mishnah. Zeposel, regardez comment ça va être la même mamash, super symétrie, en remplaçant uniquement le mot Dayan par Edim. Donc de la même manière que Rabbi Meir nous disait que je suis en droit de refuser de me faire juger par lui, et Rabbi Meir disait non, que si tu prouves que c'est un mauvais juge, mais pas si c'est un juge expert, et ben là, la Mishnah maintenant va nous parler avec Edav, le témoin. Zeposel Edav Shelze, Vezeposel Edav Shelze, d'Ivre Rabbi Meir. Celui-ci peut refuser d'avoir les témoins de l'autre qui viennent. Genre, vous débarquez, vous m'apportez des témoins contre moi, et moi je dis, ah non, ces témoins ils ne me plaisent pas. C'est ce qu'il y a écrit. C'est bien sûr incompréhensible. On expliquera ensuite de quoi on parle, mais en tout cas je reste proche des mots. Zeposel Edav Shelze, celui-ci donc rend inapte, refuse d'avoir un témoignage contre lui. D'accord, il annule, il rend invalide, il invalide les témoins de l'autre, et l'autre invalide les témoins de l'un. Telles sont les paroles de Rabbi Meir. Non, attention. Et ma taille, dans quel cas? Bisman, Chiomevi, Alem, Raya, Shen, Krovin, Obsolin, uniquement s'il apporte une preuve qu'ils sont des proches parents ou des gens inaptes. Avalimayo, Kcherim, par contre, si ce sont des gens Kcherim, de bons gens, Kacher, qui ne transgressent pas de faute, et d'ailleurs, le personne ne peut pas les rendre pas saouls. Les refuser d'abord, il ne peut pas refuser leur témoignage. De quoi on parle, bien sûr, vous comprenez bien que ça n'a pas de sens de dire que je vais refuser les témoins qui vont témoigner contre moi, parce que dans ce cas-là, on ne va jamais s'en sortir. La Gemara explique en réalité qu'on parle d'une situation particulière. D'abord, avant de rester sur la Mishnah, on a introduit d'abord une notion utile, c'est que dès que j'ai un intérêt dans mon témoignage, je ne peux plus témoigner pour une chose. Je ne peux pas, sur ce principe, je ne peux pas témoigner sur un bien qui m'appartient. Parce que c'est normal que je vais témoigner qui m'appartient, j'ai envie de défendre mon intérêt. D'accord ? J'ai défendu mon intérêt, donc je ne peux pas témoigner. Alors, selon ce principe, lorsque des témoins viennent et témoignent sur Réhouven, pas moi, ils viennent et témoignent sur Réhouven, je peux, moi, témoigner contre ces deux témoins en disant, écoutez, ces témoins, je ne sais pas s'ils disent vrai ou pas, mais en tout cas, une chose de sûre, c'est que c'est des joueurs de cartes. Donc, ils sont invalides. Je peux les invalider de cette manière. Première notion. Maintenant. Deuxième notion, lorsqu'ils viennent témoigner contre moi, je ne peux pas, moi, dire « Non, je refuse leur témoignage parce que sachez que c'est des joueurs de cartes. Je ne peux plus témoigner contre eux. » Étant donné qu'ils viennent témoigner contre moi, je ne peux pas les rendre invalides. Je suis concerné, j'ai un intérêt, je ne peux pas témoigner contre eux. Notre Mishnah, et ça c'est admis bien sûr dans le second des deux avis, notre Mishnah parle d'un cas particulier où on va dire que vous êtes le deuxième parti, l'autre parti, la partie adverse, vous avez dit que vous avez deux groupes de témoins sur une certaine chose.
Ouais, on est indifférent entre nous à qui appartient cette maison. Moi, je dis que c'est la mienne, vous dites que c'est la vôtre. Vous dites, non, vous avez deux groupes de témoins. Vous avez deux groupes de témoins qui sont capables de venir témoigner pour deux raisons. Témoigner que cette maison vous appartient. Vous apportez le premier groupe de témoins. Et moi, je dis, mais ces témoins-là, c'est des joueurs de cartes. Regardez. Réhouven, viens témoigner avec moi, s'il te plaît, contre ces deux témoins. Est-ce que je peux, moi, témoigner contre ces deux témoins? C'est sur ce point-là que discutent Rabbi Meir et Chachamim. Selon Rabbi Meir, puisque vous avez dit que vous avez deux témoins, vous avez deux groupes de témoins, on va, quoi qu'il arrive, on va vous demander d'apporter votre deuxième groupe de témoins. De ce fait, il est vrai que j'ai un certain intérêt à annuler ces témoins, mais malgré tout, je ne vais pas sauver ma peau en les annulant, puisque vous avez un deuxième groupe de témoins et que vous avez affirmé avoir un deuxième groupe, donc vous serez obligé de l'amener. Puisque vous allez être obligé de l'amener, de toute façon, je suis en droit d'annuler votre premier groupe de témoins. Et, au bout du compte, si lorsque vous allez apporter votre deuxième groupe de témoins, quelqu'un d'autre va annuler ces deux témoins, il va s'avérer que j'aurais gagné grâce à mon témoignage. Mais malgré tout, lorsque j'ai témoigné, j'ai pas témoigné pour défendre mon intérêt directement. Ça a été que indirect. Et donc c'est permis. Selon Chachamim, donc c'est ce qui est écrit ici, Zeposal Edav Shelze, Zeposal Edav Shelze, celui-ci annule. Donc moi je suis capable d'annuler, j'ai le droit, je suis en droit d'annuler vos témoins. On parle du cas où vous avez affirmé avoir deux groupes de témoins. Je m'associe avec une tierce personne pour annuler votre premier groupe de témoins. Et je suis en droit de le faire. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Vachachamim Omrim, non, attention, je dois nécessairement prouver que c'est un faux témoin en apportant des témoins de l'extérieur. Je dois apporter deux autres témoins, mais moi, je ne suis pas capable de témoigner contre lui. D'accord? C'est ce que Chachamim nous dit. Pourquoi? Alors, l'Agma explique que Chachamim pense un cas, pense une halakha particulière, que même si vous avez affirmé avoir deux groupes de témoins, vous êtes en droit de dire finalement, allez, je me contente d'un seul. Étant donné que lorsque vous avez affirmé avoir deux groupes de témoins, vous n'êtes pas obligé d'apporter les deux groupes de témoins. Vous pouvez vous contenter du premier. Il s'avère que peut-être que vous allez finalement vous contenter du premier groupe, donc je ne suis plus en droit de l'annuler. D'accord? C'est clair? On a fini la Mishnah. On fait tout de suite le Bartenora sur cette deuxième partie. Et après, on va mettre le zoom sur le fameux Bartenora. Très bon. Ze posel edav shelze. Plugtayu de Rabbi Meir et Rabbanan. La discussion entre Rabbi Meir et Rabbanan, c'est Mukel Abagmara. La Gemara l'établit. Lorsque l'un des deux parties, la partie adverse, a prétendu avoir deux groupes de témoins sur une même chose. Il a déjà apporté son premier groupe. Et la partie adverse, donc moi, je me tiens face à lui, avec une autre personne. C'est des joueurs de cartes. C'est des gens qui prêtent l'argent avec intérêt. Rabbi Meir Omer, selon Rabbi Meir, Yachol Hu. Je suis en droit, j'ai la capacité, l'aptitude de le rendre inapte, de le rendre pasoul, invalide. On ne dira pas que j'ai un intérêt ainsi. Pourquoi? Puisque vous avez prétendu avoir un deuxième groupe de témoins et vous êtes obligé de l'apporter, entre parenthèses. Vous serez obligé de l'apporter. D'accord, d'apporter ce deuxième groupe de témoins. Donc de ce fait, je ne suis pas franchement en train de défendre mon intérêt. Ve'im bikesh, et donc vous risquez de vous faire avoir au bout du compte. Pourquoi? Ve'im bikesh, velo matzai yafsid. Et si finalement vous allez apporter, vous allez chercher vos deuxième groupe de témoins, vous n'allez pas réussir à les prouver, à les apporter. Vous allez les apporter, mais ensuite on va les rendre invalides eux-mêmes, plus moi, quelqu'un d'autre. Eh bien vous aurez perdu, yafsid. D'accord? Vera banan, et chachamim, qu'est-ce qu'il pense? Sa vraie, Vera banan pense. Bien que vous avez affirmé avoir depuis le début deux groupes de témoins, vous êtes en droit finalement de revenir sur votre parole et de dire je n'ai que ces témoins là. Donc vous êtes en droit de finalement de dire que vous ne voulez plus apporter le deuxième groupe de témoins, et dans ce cas là Venimsa, et il s'avérera, si vous renoncez à porter le deuxième groupe de témoins, vous avez le droit de le faire, et il s'avérera que Ze Sheba le Poslan Noga Bedutu. Il s'avérera que moi, qui veut rendre invalide ces premiers groupes de témoins, je suis Noga Bedut, je suis concerné, j'ai un intérêt à préserver. Velom Ifsela Poumé, et donc je n'ai pas la capacité de les rendre inaptes par ma bouche. Valachak Khamim, Valachak Etabli comme Khamim. On a fini la Mishnah avec le Bartenora. Maintenant, on va remettre le zoom sur l'énorme Bartenora. C'était compliqué, j'ai passé plusieurs heures. J'ai déjà enregistré un premier cours qui m'a fait 43 minutes, je le dis, je ne sais pas si je le dis, bref.
et je me suis dit qu'il fallait absolument que je recondense ça et que je le présente de manière beaucoup plus light. On va le faire quand même dans les mots, mais qu'on retienne même 70% de ce long Barthénora. Succinctement, deux sujets dans ce Barthénora. On a évoqué dans notre Mishnah que l'on peut se faire juger par des juges qui ne sont pas experts. On va maintenant s'intéresser au droit de contester un verdict prononcé donc par ces juges qui n'étaient pas experts. On va même aussi parler du cas des Dayanim experts. Est-ce que je peux contester? Première situation. Deuxième situation, lorsque le juge s'est trompé, que faut-il faire? On va poser les axiomes généraux. On va parler tout d'abord, à partir du moment où on a accepté de se faire juger, qu'on a désigné ensemble un Bet Din, une fois que le verdict est prononcé, je ne suis plus en droit, plus personne n'est en droit de renoncer, de dire non, finalement, oh, ce juge-là, je savais bien qu'il ne fallait pas que je prenne ce juge-là parce qu'il est mauvais, mais on va se faire juger chez tel grand rabbin du monde entier. Ben, c'est plus possible de le faire dès qu'on a prononcé le verdict. Premièrement, donc on ne peut plus refuser parce qu'on l'a pris sur nous, ou encore parce qu'on va parler de ce qu'on appelle un Dayan expert, comme on a introduit tout à l'heure, celui qui connaît la Torah écrite, Torah orale, et qui sait étudier la Gemara comme il faut. C'est un juge expert. Tandis que, si on a un juge qui n'est pas expert, mais qui a été désigné malgré nous, sans qu'on le désigne, il s'est interposé entre nous, il a affirmé, c'est un charlatan qui a affirmé être un expert, il a reçu l'accord du gouverneur du pays, sans que, pour autant, il ait les aptitudes de Torah d'être jugé, et malgré nous, il a commencé à nous juger. Dès qu'on a fini de se juger, je suis en droit de dire, cet imposteur, je ne veux pas, je n'accepte pas son verdict, je t'invite à partir chez tel Dayan qu'on soit jugé par lui. Ça, c'est le premier sujet rapporté par le Barthénora. On a déjà, dans ce très long Barthénora, il va être décomposé en trois parties. Nous, on a pris la première partie de chacune des trois parties, en fait. Donc, c'est la situation qu'on va appeler la situation refuser le... Ouais, le digne de refuser le verdict. Ça, c'est lorsqu'on a... Donc, on a donc deux situations où on ne peut pas refuser le verdict, qui sont lorsqu'on a pris sur nous, on a accepté de se faire juger par eux, on ne peut plus revenir sur notre parole. On évoquera encore dans la prochaine Mishnah quelques cas particuliers plus précisément. Mais en tout cas, pour le moment, on tient l'idée générale. Donc, dès qu'on a accepté de se faire juger, on ne peut plus refuser. Ou encore, même si on n'a pas accepté, mais si c'est un juge expert, alors on ne peut plus refuser son verdict. Maintenant, tandis que si c'est un imposteur, donc un charlatan, on a le droit de le refuser. Maintenant, il y a un deuxième sujet dans le Barthénora qui va nous parler de la situation a posteriori lorsque le juge s'est trompé. L'axiome général, d'abord, ça va être décomposé en deux parties. D'abord, si vous me demandez mon avis, et je tranche une halakha et je me trompe, et à cause de moi, vous avez donné de l'argent à une tierce personne, alors il s'avère que je vous ai causé un dommage. Par ma parole, je vous ai causé un dommage. Et il va y avoir deux cas de figure. Le cas de figure où je vais dire, mais non, l'argent vous lui devez, et je vais le prendre de votre main et lui donner à lui. Donc là, je serai pas simplement, je ne causerai pas simplement un dommage, je serai un vrai voleur. Je lui ai venu, ouais, un Arsène Lupin en col blanc, avec une belle barbe et un beau chapeau, je suis venu, je vous ai volé de l'argent pour le donner à une autre personne. Je savais pas, j'étais pas au grand, mais tachlès, objectivement, je suis un voleur. Donc, je serai obligé de vous rembourser parce que je suis un voleur directement. Il y a même un deuxième cas de figure où j'ai pas saisi, mais je vous ai uniquement dit, ah, mais bien sûr que vous devez lui payer. Et vous avez donné l'argent, naturellement. Là, je ne suis plus un voleur parce que je n'ai pas fait d'acte de voler, mais je suis un mazik begrama. Je vous ai causé un dommage de manière indirecte. On évoquait le principe dans Baba Kama. On ne va pas introduire aussi sur cette notion-là, mais en tout cas, c'est un dommage causé indirectement. Je dois nécessairement vous dédommager. Maintenant, autre axiome. Ouais, je pose des axiomes qui seront admis sans rentrer dans tous les détails. Après, le partenariat va nous rentrer dans des tas de détails, des petites nuances de type d'erreur et tout ça. En tout cas, en retenant ces axiomes-là, ce sera déjà franchement pas mal. Autre détail important, lorsque... une seconde, je me suis un petit peu perdu dans mes... Ah, donc on a évoqué le cas où... Ah, tant qu'on peut, excusez-moi, tant que je peux encore restituer le procès. Soit, je vous ai dit de le payer, finalement, on réalise que je me suis trompé, et vous prouvez que je me suis trompé. Alors on va lui dire, maman, reviens là, rends-lui l'argent. Ça, on le fera presque toujours, dans la plupart des cas, puisqu'on peut restituer l'argent.
Le problème va se poser lorsqu'on ne va pas pouvoir restituer l'argent. Par exemple, une fois que vous avez donné 100 shekels à Reuven, il est parti vivre en Amérique. Maintenant, on ne peut plus le retrouver, les Reuven, pour le récupérer les 100 shekels. Alors maintenant, vous allez avoir affaire à moi et je vais devoir vous dédommager, dans la plupart des cas, à une exception. Le cas où il y a deux exceptions, en tout cas une exception simple et une exception complexe que je ne vous présenterai pas pour ne pas alourdir. Le cas simple, tout d'abord, c'est lorsque j'ai eu l'accord du Nassi, du grand maître de la génération, qui est en fait un descendant de Hillel. Il y avait le maître en Israël, il y avait le maître pour toute la diaspora, le maître qui était sur la diaspora avait un niveau plus grand que celui que le grand maître d'Israël. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Il y a la Gemara déduit tout ça. En tout cas, dès que j'ai reçu son aval pour juger, il m'a nommé. Alors j'ai même été dispensé de vous dédommager en cas de problème. On a présenté la plupart des cas. Maintenant, donc, si on retient les axiomes, ils sont simples, ils ne sont pas compliqués. D'abord, on a parlé du cas de refuser le verdict. Si j'ai donné mon aval, ou encore si c'était un expert, je ne peux pas refuser le verdict. Tandis que si c'était un charlatan, quelqu'un qui s'est interposé et présenté en tant que juge, mais sans avoir un avis, entre parenthèses, bagat, d'accord ? Ils ont pas, ils ont aucune aptitude de juger, ils n'ont aucune connaissance en Torah, ils nous jugent malgré nous, on se doit rien une fois qu'on a fini. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant par rapport au dinat de Malchutadina, c'est encore une autre sugya, d'accord ? En tout cas, je donne juste l'idée, en tout cas. Après, on a parlé donc du cas où le juge s'est trompé. Tant qu'on peut restituer, on restitue à quelques exceptions près qu'on découvrira dans le Bar Tanoura. Mais de manière générale, on peut restituer, on restitue. Si on ne peut pas restituer, alors c'est au juge qu'incombe le devoir de couvrir les dommages. Et on a évoqué deux cas de figure. Le cas de figure, le juge a pris, c'est un cas beaucoup plus grave parce qu'il a littéralement volé pour donner à une autre personne. Et le cas où le juge a trompé de manière indirecte, il s'est trompé. Et donc il a induit en erreur tout le monde avec ses erreurs. Il induit en erreur et il devra aussi dédommager, mais on découvrira que le cas où le juge a pris dans la main sera plus grave dans certains cas de figure, comme on va le faire tout de suite. Ou psak à halakha bézé, la décision tranchée, le psak de la halakha, la décision de la halakha sur toute sa halakha, ça se passe comme ça. Premier cas de figure, moi je l'ai souligné chez moi dans ma Mishnah, pour décomposer bien en quatre parties ce Bar Tanoura. Kshekiblou baleadin mishayadin laem ben yachid ben rabim. Lorsque les deux parties ont accepté de leur plein gré de se faire juger par une personne, qu'il s'agisse d'une personne ou bien même de trois juges. On a même, supposons qu'on a dit ce qu'il dira tel rave ou telle personne, même tel bon juif, on accepte ce qu'il dira. Et ensuite il a prononcé son verdict. Au passage, kalem etadin, dinodin. Dès qu'il aura prononcé son verdict, ce sera un verdict tranché, on ne pourra plus, Ven Sotrin dit non, on ne pourra plus le contester. Ve'afalpi, she'eno mumche le rabim. Et même si ce juge-là n'est pas un expert, ouais, c'est un bon juif uniquement, qui a des petites notions, et même moins que ça peut-être, mais je ne veux pas m'engager. Ensuite, ve'im no dasheta, maintenant. Deuxième situation, lorsque cette personne qu'on a acceptée, il s'avère qu'il s'est trompé. Là, le Bar Tanoura va nous entrer dans une nuance, qui a deux types d'erreurs. Il y a l'erreur frontale et l'erreur, pas frontale. L'erreur frontale, c'est qu'il a dit quelque chose qui est explicitement enseigné autrement. Et l'erreur qui n'est pas frontale, c'est le cas où il a dit une halakha qui est certes contestée, mais qui est quand même admise par certaines personnes, mais que la halakha n'est pas tranchée par ces rabbinim-là, mais comme les autres rabbinim. Malgré tout, puisqu'il a dit quelque chose qui est quand même plus ou moins fondé, alors il a un statut différent. Paradoxalement, on ne va pas rallonger. Je traduis. Si vous voulez approfondir le sujet, il y a un Tosot Yom qui parle de ça. Et il y a même aussi dans le Tosot Radashim, si je ne me trompe pas. Non, dans le. Ouais. Ratsa Kalisher, la gauche du Ratsa Kalisher, qui parle, qui a approfondi un peu plus le sujet pour expliquer. Il y a ici un paradoxe. Mais si vous le remarquez, allez voir. Sinon, c'est pas grave. Alors maintenant, si le juge s'est trompé, premier cas de figure, si il a fait une erreur de quelque chose qui est explicite dans une Mishnah, ou bien d'abord chez Meforash Bagmara, quelque chose qui est explicite dans la Gemara, tout d'abord, si on peut restituer, on restitue. On recommencera à juger comme il faut. Par contre, si on ne peut pas restituer l'argent donné, parce que par exemple, celui qui a pris l'argent, il est parti vivre à l'étranger. Là, c'est l'exception que j'ai pas
expliquer. Mais en tout cas, le juge sera dispensé de dédommager. Le principe est très simple. Étant donné que ça a été trop monstrueux comme erreur et qu'on a pris un ignorant pour nous juger, donc on a accepté de tout lui pardonner. D'accord ? Je referme la parenthèse. Vehemtab et Shikuladat. Par contre, s'il a fait une erreur de Shikuladat, il a mal évalué les choses. Soit Vehu, Bedavar Shenechleku Botanaim, O Amoraim, O Geonim. Il s'agit d'une chose où il y a une discussion entre les Tanaïm, entre les Amoraïm ou les Geonim. Vesugia de Alma Kichad Minayu. Et la tendance dans la halakha, elle est comme un avis. Vedanza Dayan Kedivroto Agaon, Shensugia de Alam Gamoto. Et ce juge-là, il, pour une certaine raison, il a voulu trancher sur cette halakha comme le Sefer Haïtour au lieu de trancher comme le Rambam et le Tosafot et le Roche et le Mordechi. Alors qu'il n'avait pas le droit de trancher selon le Haïtour, selon les règles. Par exemple. Alors qu'est-ce qu'on fera? Imlonasa, alors là ça se sépara comme ça. Imlonasa venatan bayad, yarzoratadin, yarzoratadin, vemiev sharalarzir, yeshalami beto. S'il n'a pas pris de ses propres mains, mais il a uniquement tranché, donc tant qu'on pourra restituer, on restituera. Mais si on ne peut pas restituer, yeshalami beto, il devra dédommager de sa poche. Vemnasa venatan bayad. Par contre, s'il a pris de ses propres mains et donné à l'autre, mashasa asouy, ce qu'il a fait est fait. Veishalem Ibeto, il devra dans tous les cas payer de sa propre poche. Donc, la différence, là, sur ça, je mets quand même l'accent pour le mettre en exergue. La différence entre le cas où le Dayan prend de ses propres mains et le cas où le Dayan dit juste, prononce son verdict en se trompant, elle est là que si toutefois on peut restituer facilement, est-ce qu'on demandera à Reuven de restituer l'argent? Alors, dans un cas classique où le Dayan a induit en erreur, il demandera à Reuven de restituer l'argent, de vous restituer l'argent, et on recommencera le procès. Et dans le cas où le juge a pris où j'ai arraché de vos mains pour le donner à l'autre, alors dans ce cas-là, vous me dites, puisque moi, je vous ai pris alors que je n'avais pas le droit de le faire, d'abord, vous récupérez votre argent, et que moi, j'aille me débrouiller ensuite avec Reuven. D'accord? C'est sur ça qu'il y a une petite nuance. Vedayam, dans deuxième cas de figure, l'imposteur. Donc, deuxième mot à souligner, Vedayan Shelo Kibloto Baladin. Un juge que les deux parties ne l'ont pas, n'ont pas accepté de se faire juger, n'ont pas pris de leur plein gré, n'ont pas donné leur aval pour se faire juger par lui. Et là, Shemad Melav, mais plutôt, il s'est dressé de lui-même et s'interpose entre nous. Omina Oto Amelech, ou encore, le roi l'a nommé pour juger, mais il n'avait pas les connaissances en l'occurrence. O Ksat Zikna Kalemidou, ou encore, certains. Une personne importante de la synagogue l'ont nommé, mais en tout cas, on n'était pas les Iknakal, ouais, des sages de quelques personnes de notre communauté l'ont nommé, mais en tout cas, il n'a pas été admis par tout le monde. Dans ce cas-là, Ibn Mumkhel Arabim, si ce n'est pas un expert, donc c'est un ignorant qu'on a nommé. Aval Pishanadal Reshut, Romirosh Agola, Endinavdin, même s'il a essayé de débrouiller pour obtenir l'accord du Rosh Agola, du grand maître de la génération, Endinavins, ce ne sera pas un procès. Benta, Benelota, qu'il se soit trompé, qu'il se soit pas trompé, on aura le droit de contester. Venom Bichlal Adayadim, la Bichlal Baalezroa. Ce ne sera même pas un juge, mais uniquement un Baalezroa, un gros bras, un imposteur, quelqu'un qui sait. D'accord ? Vekol Echad mi Baaledinim, Imrod Sesoter Dino, Vechozer, Vedan Mifne Bedin. Et chacun des deux parties pourra refuser son verdict. Vimta. Et s'il s'est trompé, Velo Nasa Benatan Beyad Yarziradin, et s'il n'a pas pris de ses propres mains, tout d'abord, on restituera l'argent donné. Et si on ne peut pas restituer, donc il est parti à l'étranger par exemple, l'autre partie, Yeshalem Ibeto Kedin Kol Gorem Lazik, il devra dédommager de sa poche, parce qu'il a causé un dommage. Et s'il a Nasa Benatan Beyad, il a pris et il a donné à l'autre, dans tous les cas, il devra dans tous les cas dédommager la partie atteinte, d'accord, qu'il a trompé, qu'il a dû en erreur, et ensuite seulement il pourra seulement après se retourner et aller voir l'autre personne. Maintenant, au Mumchel Arabim, troisième cas de figure, un expert. Que ce soit un expert qui a été désigné par nous-mêmes, ou encore quelqu'un qui a été nommé par le maître de la génération pour juger, il a été désigné, il a reçu sa skama du rav, du grand rav,
Ouais, et dans ce cas-là, même si on ne l'a pas pris sur nous, dans tous les cas, Hoïl veut montrer, puisque c'est un expert, Imta, ben Medevar Misham, ben Mishikoladat, Adin Patoum. S'il se trompe, et qu'on ne peut pas restituer le verdict, c'est l'argent qui a été donné par l'erreur, si on peut le restituer, on le restituera. Si on ne peut pas le restituer, Macha Asasoui, Patoum Meneshalem, ce qu'il a fait, ce sera fait, et il sera dispensé de payer. Soit un juge aujourd'hui qui veut être dispensé de payer, il devra recevoir, je ne sais pas, est-ce que ça existe encore d'avoir un assis aujourd'hui ou pas, parce qu'on n'a plus des descendants de Beth David, dans le Malchut Beth David, on ne sait plus qui c'est, donc je ne sais pas si c'est un statut, si les grands rabbanim, le Rav Adia, Rav Elashiv, ou peu importe, est-ce que c'est un statut du grand maître de la génération ou non, est-ce que c'est un statut de Nassi, je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, alors il pourra avoir son aval de juger, et puisque c'est un expert dans la Torah, alors, s'il se trompe, il sera dispensé de juger. La Gemara raconte que l'Amoraïm ne jugeait, certains Amoraïm veillaient à avoir justement cette attestation du grand maître de la génération pour juger, comme ça au moins, s'ils se sont trompés, qu'ils soient pas tour de payer. Sinon, ils se plument. S'ils se trompent, l'erreur est humaine. Au Mumche Shenatal Reshut Mirosh Gola. Maintenant, on a fini avec les erreurs. Et maintenant, le partenaire va dire de la faute simple. Au Mumche Shenatal Reshut Mirosh Gola. Un expert qui a eu l'aval du grand maître de la génération, Rosh Hagola, celui qui a la tête de la Gola. Yashlo Lakouf le Baladin Shiadono le Fanav. Il est en droit de forcer les deux parties de les juger. Soit il vient, il s'interpose et dit: je vous convoque à venir résoudre votre différend dans mon Beth Din. Vous êtes obligé de le faire. Ben Rassou, que vous voulez pas. Ben Erez, Ben Chouzares, qu'il soit en Eretz Israël ou qu'il soit en Chouz Laretz. Par contre, ça c'était quand c'est le Rosh Hagola, celui qui a la tête de la diaspora. Par contre, au Mishnatal Rishut Minanasi chez Beret Israël, par contre, celui qui a eu l'aval du grand maître d'Israël, donc pas de toute la diaspora, mais uniquement d'Israël, c'est un niveau inférieur. Eno Yachol Lakouf Baaledinim, Ela Beret Israël, Bilvad. Il a la capacité de forcer les deux parties à venir délibérer, venir se faire juger, que en Israël uniquement, mais pas en Khutzlaret. Ou mumché, ou... Maintenant, qu'est-ce que c'est un mumché, un expert? Michel Amad Batora Shemirtav, celui qui a étudié la Torah écrite. Veshebe Alpe, la Torah orale. Veyoda Lisvor ou Leakish ou la ville d'avoir Midor Davar ou Anikra mumché. Et il sait comparer, déduire une halakha d'une autre. Alors, c'est ce qu'on appelle un mumché. Urché Onika, Veyadoa. Et quand c'est une personne qui a eu maintenant une certaine renommée, par qui? Veyatitivo et Zalanchadro, qui a été connu par les rabbinim, de manière générale, on sait de qui on parle. Si je vous apporte, ouais, les rabbinim savent de qui on parle. Si on dit, je sais pas moi, les Zachar Letov, Rav Gilbert, celui qui écrit le Chod Shabbat, un livre sur Rubi très important, je pense que même les rabbinim d'Israël savent c'est qui le Chod Shabbat. Donc ça se rappellera que Yatsativo et Zalanchadro. Il a eu son Yatsativo, sa renommée, et est sortie chez les gens de sa génération. Dans ce cas-là, il s'appellera Nikram Mumchel Rabim, ça se rappellera un expert pour le peuple. Veo Yachol Ladun Yechidi. Il s'appellera dans ce cas-là un expert pour le rabbim, pour le public, et dans ce cas-là, il a la capacité de juger même tout seul. Et même s'il n'a pas eu l'aval du Rosh Hagola, avec attention quand même, c'est que s'il s'est trompé, puisqu'elle n'a pas eu l'aval du Rosh Hagola, du grand maître de la génération, il devra dédommager s'il s'est trompé. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.